C'est le premier procès en pénal d'un nazi hongrois, criminel de guerre, en Hongrie depuis la démocratie. Et comme la collaboration avec les nazis a donné lieu ici à certains crimes terribles, y compris la participation à des meurtres, il s'agit d'un procès particulièrement important. Il était attendu depuis longtemps, mais remercions Dieu, il a finalement lieu. En 2011, faire un procès contre Kepiro, basé sur le procès qu'il a eu en 1944, n'est pas digne d'un état de droit, et c'est anticonstitutionnel. Avec cette logique, on pourrait remonter jusqu'à l'Inquisition. Ce procès n'a aucun fondement. Tout est basé sur des mensonges. Tout n'est que mensonge.